Depuis toujours, j'ai été fasciné par la France, son histoire, sa culture, ses paysages et la gastronomie, bien sûr. Lors de mes études en France, j'ai appris à connaître et à apprécier les vins. Au fur et à mesure des années, il est né cette envie, un peu folle pour un étranger, d'acquérir un vignoble dans le Bordelais. Au hasard d'un séjour dans la région de Saint-Foy-la-Grand, j'ai eu le coup de cœur pour le domaine de Parangère. Mon rêve est devenu réalité en 2005, lorsque j'ai acquis cette propriété dont l'origine date du XVIe siècle. Un écrin de verdure de 190 hectares, dont 70 hectares de vignes. Je suis certain que vous pourrez comprendre en découvrant ces quelques images comment la beauté des paysages et l'authenticité de ce terroir m'ont conquis. Très belle homogénéité des raisins, une très bonne maturité, la dégustation est très bonne. On va finir le tri au chai avec la table de tri optique. Salut Richard. Bonjour. Ça tombe bien que vous soyez là, je suis en train de déguster le dernier millésime au bout de six mois de barrique. Bien, merci. Ouais. Je pense que c'est le nez typique de notre vin. Ouais, là on a... On a 65% de Cabernet Sauvignon, on sent bien la maturité de ce cépage. Oui, une belle puissance. La culture est quand même bien marquée traditionnellement. C'est excellent. On va chercher le fruit, hein. Donc le fruit est vraiment très présent. Donc là, il n'y a pas d'élevage en barrique, hein. C'est des élevages en cuve. Mais c'est des vignes qui sont déjà sélectionnées, c'est des vignes pour 25 ans en moyenne. Et puis on cherche à se charnu, mais cette fraîcheur quand même en fin de bouche. Et les tanins sont bien présents, mais ils sont quand même fondus. Comme je vous le disais, la structure est quand même bien marquée traditionnellement dans le vin. Alors autant les cuvées Raphaël, c'est des barriques que vous avez vues, mais on utilise 30% de barriques neuves chaque année à peu près. On peut aller jusqu'à 40%, mais c'est un maximum. Là sur l'esprit, c'est 90% de barriques neuves. Donc c'est vraiment, on va chercher vraiment la puissance de la concentration. Je suis heureux de vous avoir fait partager cette belle histoire. Celle de mon vin et du domaine de Parangère. À travers ces quelques images, j'espère que nous vous aurons fait partager l'authenticité et la richesse de nos terroirs, mais aussi cette passion qui nous anime au quotidien. Mon équipe et moi serons ravis de vous accueillir au château pour vous faire découvrir ce cadre unique et apprécier la qualité de nos vins.